Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Ici Nico, alias Kisper, en direct de Los Santos. Ce soir, nous sommes avec Tony. Et on n'est pas seul, Toto, ce soir. On est accompagné d'une femme qui est très rare, qui arrive en fin d'année. C'est la neige. Merci. Putain, comment ça fait plaisir. Bonsoir tout le monde. Le jour en train de se lever en plus, putain, ça fait... ça pète. Il est quand même bon de préciser... Précision. Que nous sommes peut-être dans le nord de la France. Dans la vie réelle. Mais que nous n'avons pas encore une neige. Et là, que nous sommes à Los Angeles, Los Santos, nous avons de la neige. Il y a quand même... C'est du foutage de gueule. Non mais il n'y a plus de saison, hein. C'est ça, il n'y a plus de saison. C'est le bordel maintenant. Bon, oh, ah ouais, yes, c'est bon ça. Je crois que tous les ans je m'émerveille devant la neige, quoi. C'est ouais, cool. J'adore, c'est vrai. C'est cool. Salut, il faut les fringuer d'abord. Ah, oh bah oui, tu vas avoir froid toi comme ça. Vas-y, je t'emmène si tu veux. Bah ouais, non mais. Allez, c'est hyper. Oh là, oh là, on s'énerve pas là, Cowboy. C'est ma première partie depuis le début des vacances. Hein. Oh là là, t'es sérieux? Mais regarde, ils t'ont amené la neige. Oh, comment ça glisse? Oh putain, c'est chaud taille. Oh là là, Londuzob qui m'appelle et tout. Joyeux Noël, Londuzob. Que ton zob soit toujours aussi long malgré le froid. Oh là, c'est un peu tôt ça. On va prendre le raccourci. Hein. Petit dérapage, wall again, vue cinématique. Allez, vas-y, Toto. Va te faire plaisir. Donc, un petit tour à la boutique, hein, obligé, ce soir, on a le temps. Donc, en fait, le programme de ce soir, déjà, on est bien content qu'il y ait la neige, donc, obligé, on va se ramasser de la boule de neige et on va se faire plaisir. Tiens, tout dans ta tête. Bim. Et on est là en fait pour la deuxième partie de la découverte de la mise à jour import-export. Donc dans la première partie, on a pu découvrir un peu tout le contenu, tout ce qui était possible d'acheter. Ce soir, avec Toto, on va acheter le garage pour commencer le business, en fait, le trafic de voitures. On a normalement Baptiste qui devrait nous rejoindre ce soir, qui a déjà le nez dans le business. Le DZZ est prochainement dans la place. Donc je pense qu'après avoir acheté nos garages et fait le tour des possibilités, je te proposerai, Toto, c'est d'aller peut-être dans le garage de Baptiste et qu'il nous explique un peu, lui qui a commencé, le principe de tout ça, j'ai envie de dire. Ouais. Et bah voilà, quand on parle du loup, on envoie la quéquette. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Salut, salut. Ça va, mec? Comment allez-vous? Bah nous, on va ça très va, bien. Ça va. Je suis touché au mollet, j'aime bien la précision. T'es où, je t'ai pas vu prendre des boules de neige, toi. Non mais... Saloperie. Je t'aurais... Oh putain, là, tu m'attaques par derrière, l'enfoiré. Bah, allez vous faire voir. Il est arrivé comme une fine, franchement. Putain, les enfoirés, non, mais regarde-le. Attention, y'a un flic. J'aime pas trop les batailles de boules de neige ici. Quoi? Boules de neige? Non. Oh, merde! On le fume! Il faut être flic! On se casse! Ils ont mangé de la boule de neige! Boum! C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais t'es fou, toi, de me faire ça! Mais en fait, y'a plein d'employés vénères dans le coin! On l'est pas passé. J'ai un double kill. Ouh, on va aller chercher qui se perd. De où tu te relèves, toi? Je sais bien que c'est Noël, mais bon, quand même pas, quoi. Moi, ce soir, c'est gratuit. Je fais tout péter ce soir. Artifice. Mais qu'est-ce que tu fous de t'envoyer avec les flics, toi, encore? Ouais, oh, c'est feu d'artifice. Bim! Oh là là. Allez, bonne soirée. Bienvenue dans mon entrepôt d'import-export de véhicules. Yeah. Donc là, c'est
C'est les véhicules que j'ai déjà été chercher, donc qui s'accumulent un peu partout dans le garage. Il n'y a pas vraiment d'ordre précis d'arrivée, hein. Ils se casent un peu partout au fur et à mesure, en fait. Putain, c'est quoi ça? Voilà, donc c'est en fait c'est des véhicules donc, qu'on peut acheter nous sur le site Legendary, mais qui sont modifiés à une certaine sauce en fait. T'es mal à Banshee là, c'est tout en carbone. Excuse-moi, je te coupe, mais c'est rare. Okay. Là, celle-ci, ouais, la Banshee dans le fond, là. Elle est un peu sale, mais elle est tout en carbone. Entièrement carbone. Chaque véhicule que vous voyez là, que j'ai été chercher, a une valeur. Donc soit bas de gamme, soit milieu de gamme, soit entrée de gamme, soit entrée de gamme, soit milieu de gamme, pardon, soit haut de gamme. Donc il y a trois niveaux de valeur. Ça, vous allez comprendre pourquoi plus tard. Ensuite, chaque voiture, donc je vous disais, a un style particulier là. Mm-hmm. Et il y a une raison en fait. Si vous regardez plaque à la première personne, elles ont toutes un nom. Donc celle-là, c'est Precious. Celle à côté, je sais plus. Precious. Là, on a qui? Parce qu'en fait, Buzz 3D, Buzz l'éclair. Elle a plusieurs versions. D'accord. C'est-à-dire qu'elle a une version où elle s'appelle Buzz, où elle est verte comme ça. Elle a une version où elle est, je sais pas, moi j'ai une connerie rouge, elle s'appelle autrement. Et ça a une importance pour après. Je t'en avais déjà parlé au niveau des collections. Je vais réexpliquer. Collection. Derrière, il y a un petit atelier. Autocare. Il y a un petit atelier, voilà, avec un petit gars sympa qui s'appelle Igor. Waouh! Wow. Igor. Tu es sérieux, Igor? Salut, Igor! Donc, Igor, il répare les voitures que tu lui ramènes parce que, bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, des fois, bah, tu les ramènes pas en très bon état. Donc, tu payes un petit peu et puis tu répares la voiture avant de la revendre. Ok. Voilà. Vas-y, entre, je t'en prie. Donc, mes toilettes. Excellent. Je les ai pas nettoyées depuis 3 mois, hein. C'est pas grave, hein. Pas de soucis. Donc là c'est le PC, depuis lequel vous pouvez uniquement vendre, je m'installe, uniquement vendre vos voitures, puisque pour aller les chercher, ça sera à partir du bureau. Oh regarde, il a le DX Racer, la version X-Ray pour AV. Ah il a mangé le fauteuil, il a mangé le DX Racer. Donc voilà, le site se présente, bon, vous verrez bien, t'as déjà une page principale avec tous tes véhicules dans ton garage qui te précise le type de véhicule, le modèle c'est ce qui est noté sur la plaque. En gros, tu vois, le type de véhicule c'est genre une Banshee, le modèle c'est Domino, et puis il te met aussi la valeur, c'est-à-dire entrée de gamme, milieu de gamme. Oui, d'accord. Donc à partir de là, bah, t'as tous tes véhicules, si t'as envie d'en exporter un, tu le sélectionnes, tu fais exporter. Si t'as envie d'en exporter deux, il te faut un pote, pareil, tu peux en exporter deux, tu peux en exporter jusqu'à quatre, comme ça. Peu importe, hein, milieu de gamme, entrée de gamme, tu peux tout mélanger, y a pas de problème. Donc, ok, voilà. Eh ben c'est parti peut-être pour essayer d'en choper une. Allez. C'est reparti, monsieur. Le traîneau. C'est trop ça, quoi. Ouais, c'est le traîneau. C'est le traîneau high-tech. Ouais, c'est clair. Une question par rapport à ça. T'amènes ta bagnole explosée. Je me comprends. Abîmée. Ouais. T'es obligé de la réparer. Ouais. T'es obligé. Ah oui, c'est prélevé. Fort. C'est prélevé automatiquement. Voilà, c'est parti. Donc, je lance l'émission. Ok, ça marche. Non, on est là, on est chaud. Enfin, on est chaud, on a un peu froid. Hein. Un temps de merde. Je sais pas si vous voyez, il y a un petit message qui va arriver. Osiris haut de gamme. Ouais, chercher une Osiris haut de gamme, voilà. Oh là là, allez, viens mon copain. Yes, ok. Monte dans le traîneau, copain. Ouais, là, c'est haut de gamme. Mais c'est parfait, ça. Mais c'est. Faut faire gaffe parce que là, on va à Little Seoul et je sais pas si. Ils vont pas nous canarder à l'arrivée. Le. Canarder de GFC. C'est le Père Noël et c'est de lutin, qu'est-ce que tu veux? Quand même, vous dire un truc, la bagnole elle sera sur place, il va y avoir des mecs, on va sûrement devoir en tuer un paquet. Il faudra essayer de toucher le moins possible la bagnole, sinon il y aura des frais dessus déjà de base, quoi. Ouais, ça marche. Ouais. Ok. Et eux déjà de base, attends, ils tirent dessus, hein, des fois. Ah ouais? Ouais. Des fois t'as 1000€ de frais, t'as pas 1000$ de frais, t'as pas à choisir. On arrive sur place,
Ouais. Elle est là, elle roule. À côté. Oh putain, elle roule. Non, faut pas se faire, repérer là. Ouais, faut pas se faire repérer normalement. Bah. Reste dedans, Vas-y, roule. Putain, ça glisse. Allez, c'est parti. Allez, Père Noël. Enclenche le raid. On s'est fait repérer. On s'est fait repérer. Il faut que tu la suives pour se faire repérer, gros. Hey, par contre, il est démonté, le gars. Moi, je pense que le copain, là, il est fait comme un rat mort. Hey, il sait pas conduire. Il va nous amener, en fait, à la voiture. Il a pas son permis de traîneau, aussi. Bon, vu qu'il est... 4,10 Vu qu'il est averti, à mon avis, les gars, ils vont nous canarder de loin. Mais il les a appelés, là. Ouais, t'inquiète pas. Merde, oh la vache, c'est mon tour. Oh, le Père Noël. Non, c'est... Oh, regarde des putes toutes moches. Des putes pas de cas. Elle est là, elle est là, la caisse. Ouais, elle est là. On fait quoi, on s'arrête là? Ah ouais, regarde, il s'est arrêté à une maison là-bas plus loin. Vas-y, on descend, Putain, on va se faire déjà. Venez, venez. On descend, Ouais. Ok, qu'est-ce qu'il se passe déjà? Il nous canarde là, t'es sérieux? Attends. J'essaie de les prendre à revers. Je passe par les palissades derrière les maisons. Ça marche? Attends, et au sniper, je les vois pas, ils me tirent dessus. Qui me tire dessus? Je les vois pas. Le temps, on ne s'y prête pas trop là. J'arrive sur place là par derrière. Attends, c'est bon, j'en vois un là. Ok. Et bim! Allez hop, toi t'es mort. On en parle plus. Juste encore une fois, fais juste attention. Ah, c'est derrière. Ah ouais, c'est derrière. Ouais, t'inquiète, mec. Oh. Ouais, je me suis fait arracher. Bim. Oh, il y avait ta tête, Baptiste. Bim. L'équipe, sinon je pense que là t'étais à terre. Les mecs, ils se cachent derrière la voiture. Il en reste un, il est caché à côté de la voiture. Je sais pas s'il est à l'agonie. Ça, mais je vais à la crosse, hein, sinon. Non, il est mort. Ah, il y a plus personne. C'est bon. T'es sûr? Ok, Baptiste, tu prends la voiture? Comme tu veux. Bon. Vas-y, je vais rechercher le traîneau. Il va y avoir du monde ou pas sur la route? Vas-y. Attends, je vais au traîneau. Sinon, Baptiste, tu montes derrière, on les dégomme. Ouais, de toute façon, moi, si je vois un point rouge, je m'arrête, je descends. Parce qu'ils vont tirer sur la voiture, sinon. Ouais, monte derrière, style, c'est méchant. Ouais, alors, en fait, la technique, c'est... Si putain, tu vois... du monde. Oh là, ils tirent. Vas-y, prépare-toi à arroser. Mais ils sont fous. Putain, il y a déjà 1400 euros de frais. J'ai descendu direct pour toi. Non, mais il faut surtout pas t'arrêter en plein milieu, c'est ce que j'allais dire. Ah, désolé. Faut surtout pas t'arrêter en plein milieu parce que si tu veux, quand tu vas descendre, tu vas tirer, les civils ils vont s'affoler, ils vont te démonter la caisse. Ouais, je comprends, ouais. Mets-moi un tracé, mets-moi quelque chose. L'astuce. Arrête-toi, derrière. Putain, ouais, attends. Putain, les gens. Putain, il me fuit, je sors de la voiture. Bagnole, je suis sorti, Baptiste. Ouais, c'est la merde. Bon, ça va, je reste à 1400. J'ai pas rien, peut-être plus. Allez, trace. J'ai la pression, là, il en reste un. Bim. Allez hop, c'est bien. Tu dis tracé, finalement, tu me dis pas tracé. Trace. Ouais, me fonce pas dessus, hein. J'essaye. C'est pas évident. Ah bah, 1400 dollars. Si, droit devant. J'y vais, je roule, moi. Ouais, trace, on les freine. Ouais, exact. T'inquiète. Une petite symétrie, j'ai... Heureusement, j'ai pas touché. J'ai esquivé un civil, mec. Oh, c'était beau. Eh, mec, 1400 dollars de frais, ça va, non? Faut une Osiris. Oui, tu es bon, allez, livrer, mec. Tu viens de gagner une Osiris. Putain, c'est joué. Cool. Yeah. Père Noël en force. Donc là, elle fait partie de ma collection. Et non. Allez, on peut péter la revente.
Mais il faut la réparer d'abord ou c'est... Non, c'est retiré automatiquement alors. Alors voilà, là on va faire... Vu qu'on est 3, on va faire une livraison de 3, tu vas voir, ça va être pas mal. N'attends pas, n'attends pas. Mets-moi la tempe pas, mets-moi la tempe pas, s'il te plaît. La nature, je sais à peu près ce que c'est. Mets-moi la tempe pas. Moi je veux le CS, comme ça j'aurais fait l'import-export. Je te dis, je suis pas sûr de l'ordre aussi, ouais, c'est ça le problème. Mais c'est pas grave, t'inquiète. Ouais, mets-la si, dans, si, dans la liste. Moi si j'ai pas la tempe pas, je fais la gueule. Yeah! Yeah! Là, il faut modifier votre véhicule dans chaque catégorie. Il faut retirer la balise, il faut mettre une plaque, il faut modifier. Voilà. Faut la modifier entièrement. Oh yeah! Putain, t'es long. Ah, je vais aller me taper. Ça y est, c'est bon, ça va rouler sévère. C'est nous contre les autres cette fois. On joue gros sur cette vente, alors finissons-en. Waouh. Livrez les voitures à l'acheteur et méfiez-vous des autres organisations. Point barre. Allez, au boulot. J'aime quand t'as les directives comme ça. Ça me donne envie de. Eh, 3 millions. Ouais, mais panique pas. Tu vas sur le copain. Mais non. Vous êtes où, les gars? Fais gaffe, ça va arriver vite là. Ils vont arriver vite, les mecs. Ah, mais vous êtes où? Bah non, j'avance tout doux. Oh putain, putain, ils sont là. Mais on n'a pas du tout le même itinéraire. Oh le délire. Ta gueule, toi, qu'est-ce que tu fais là? Je viens de perdre mes potes. Ils sont là, là ils vont revenir souvent, donc tu restes garé sur le côté et tu remontes juste dans ta bagnole. Ah ouais? Reste garé sur le côté. Ouais. Bah putain, ouais, attendez, on est pas ensemble, c'est con ça. Pourquoi vous avez pas le même trajet que moi? Mais vous avez pas le même tracé que moi. Moi je suis poursuivi, vous fumez la caisse. Bah ouais, on s'est pas concerté du tout là les gars. Mais non, mais c'est... si on a pas le même tracé, tu veux faire comment? Allez, on se fait du bisou. Vas-y, on t'attend, hein. Bonjour nous. Ouais, j'ai fait demi-tour. Ouais. Je suis là les gars. Vas-y, reste, garde-toi. Je suis là les gars. Garde-toi sur le côté. Ouais. Et voilà, ils vont revenir, voilà. Moi je suis un peu en brouille. Temps pour livrer. Ils arrivent derrière, ils arrivent derrière, ils arrivent derrière. Putain, je suis mort. Oh, comment ils roulent vite? Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'arrêtent pas, moi. Bah, je sais pas, je suis pris une balle. Bon, je suis fini, il en reste un. Pff, comment ça cartonne? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe, les gars, ici? Au bout d'un moment, il y en aura plus, hein. Là, je remonte juste dans la caisse pour essayer de voir si ça active d'autres arrivées. Voilà, ça, tu vois, ça active direct. Ok, allez, on se la joue bien, alors, on se la joue bien. Ils m'ont envolé, les bâtards. Ah ouais, à fond. Tu touches pas mon lieutenant, toi. Oh putain, je me fais écraser par les civils. Tu vois le fils de pute de camion, là, ce qu'il a fait? Ouais, j'ai vu. Voilà, c'est pour ça qu'il faut pas laisser les bagnoles en plein milieu, tu vois, sinon ils te défoncent. Moi, tout. Moi, les sur le trottoir là-bas au loin, ça va. Non, mais là, c'est bien, là, c'est bien. Tu t'embrouilles de ouf. Mais on aura encore le temps de livrer après, gros. Ouais, bah regarde le trajet. 7 km. Ouais. Ouais, on se sent dans la neige, hein. Allez, on peut y aller. Bon, bah attends, il faut que je retourne à la mienne. Pas de soucis, mec. Poche. Moi pour la mettre en sécurité. Il était l'armé au garage toi. J'avais mis au loin. Ah ouais, carrément. Allez, on et en fait quand vous faites la flèche du bas, vous avez chacun le détail des frais que vous avez. Et c'est moi qui paye. Ah bon, bah c'est toi qui paye. C'est toi qui paye ta tournée. On arrive dans la partie un peu plus technique là. Ouais, c'est j'aime pas ces rues là, ouais. C'est ici que je brise les bagnoles à chaque fois. Ah, c'est chaud, ah, je fais du. J'ai eu mon permis très haut tout à l'heure, donc ça va. Moi j'ai passé mon permis dans ces rues là. Quel frime là.
Voilà, la tempa elle est pas mal, hein. Dans la neige et tout, j'ose pas trop faire le foufou, mais franchement, c'est un plaisir. J'aime bien les anciennes voitures comme ça, la muscle car, là. J'aime bien. Ouais, ouais. Attends, là, je rêve ou quoi, là, y'a un mec, là, qui vient me doubler avec sa voiture de merde, là. Il doit pas être au courant que je bosse pour quelqu'un. Baptiste, t'as abîmé ta voiture. Ouais. Oh là là, Baptiste. Oh là là. Oh là là. Ah ouais, d'accord, ouais. Ah, GG. Toto, zéro. T'as assuré, Toto. Bah oui, non, mais attends. Le mec, il a pas son permis de solo tout à l'heure. Père Noël, bah, dans lui, la place. Voilà, déjà, j'ai gagné 100 000. Oh putain. Oh, j'ai pu finir la... J'ai failli finir la gueule dans le fossé. Comment je t'ai fait. Quand je suis dans le fossé, je parle pas de Brigitte. Je préférerais encore finir dans le fossé. C'est bon, c'est livré. Impeccable. 3 sur 3. 177 000. Ah, stylé la petite remise de clé et tout là. Yes. Donc là, t'as touché combien maintenant? 173 000. Ouais. Car sold, well done. En fait, j'ai payé ce que je voulais dire tout à l'heure. Quand tu décides de livrer un véhicule, t'as 3 choix de livraison. Ouais. Et sur ces 3 choix, tu gagnes plus ou moins. Vous verrez, c'est un peu chaud à expliquer comme ça, mais vous verrez. Tu sais ce que j'ai envie là, Toto? De t'enfoncer ma grosse fusée là dans le cul. Sans vaseline, sans rien. Ah bah non, c'est Noël. Hein. Ça glisse. J'ai même plus de. Oh la vache, je prends feu. Putain de perdre, non. Éteignez-le avec des boules de neige, éteignez-le avec des boules de neige. C'est sur ce que notre vidéo se termine. J'espère que ça vous aura plu. Allez, encore une dernière pour la forme. Et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait, à partager, à le dire à tous ceux que vous connaissez, votre famille, votre mère, votre grand-mère, vos oncles, hein, n'hésitez pas, vous allez partir dans la famille. Vos chats, vos chiens, vos oiseaux. Voilà, les animaux sont acceptés aussi. Oh lui. Tandis qu'un accident se passe en direct. Oh là là. Voilà, il est vénère, regardez, démonté. Il est démonté. Il est parti. Regarde comment il est démonté, il est démonté. Oh lui, regarde comment il est. Oh là 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 là, t'as failli te renverser, Baptiste. Oh là 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 là. Voilà, allez, ça dégage. Oh, il a bonne fête de fin d'année. Il a perdu GFC. Ah, le feu à la brousse. Il y a de l'eau qui. On va avec. Oh là là. Ah. Oh là 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 là. Allez, joyeux Noël. Une bonne année.